Le FAMAS, pour fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, dont la dénomination officielle, fusil d'assaut de 5,56 mm modèle F1 MAS, et souvent simplifié en FAMAS, est un fusil d'assaut français. Conçu afin d'équiper l'armée française, le FAMAS a été présenté pour la première fois en 1973 et commandé en 1979. Il était censé remplacer les trois armes en service à l'époque, le fusil semi-automatique MAS modèle 49-56, le pistolet mitrailleur MAT 49 et le fusil mitrailleur MAC modèle 29. Il a été commandé et mis en service par l'armée française qui voulait une arme tactique puissante et d'encombrement réduit, qui soit également facile à utiliser et à entretenir. Le FAMAS est chambré en 5,56 mm autant. Les versions F1 et G1 possèdent un chargeur prioritaire de 25 cartouches, tandis que la version G2 à 30 cartouches est compatible avec la norme OTAN STANAG. Son mécanisme assure deux modes de tir, coup par coup et rafale. Le limiteur de rafale, situé derrière le puits de chargeur, permet d'opter entre des rafales libres ou limitées à 3 coups. La cadence de tir théorique, élevée pour un fusil d'assaut, est d'environ 1000 coups par minute en mode rafale illimité. Pour l'entraînement avec munitions à blanc, un bouchon de tir à blanc, BTB, peut être vissé au bout du canon. Il permet le réarmement de l'arme en freinant les gaz de combustion. Le FAMAS est aussi capable de tirer des grenades mixtes anti-personnel et anti-véhicule, APV-40 notamment, ou anti-char comme la C-58. Le FAMAS possède un bipied pour le tir couché. Sa version équipée d'une poignée garde-main polyvalente, PGMP, permet de monter une lunette Scrom J4, un viseur clair, point rouge, end-pointe, ou encore un dispositif d'aide à la visée de nuit, pirate.